Bonjour mes amis, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de chou-fleur. J'ai un chou-fleur, ça c'est pour 4 personnes. J'ai 2 avocats et quelques tomates cerises. Et là, c'est 2 oignons, jaunes oignons. Et j'ai des miettes de poulet. Voilà. C'est déjà fait cuire, c'est déjà un petit processus. Et je suis en train de faire cuire voilà, faire cuire, voilà, 4 œufs. Comme ça. Et maintenant, je vais mettre miettes de poulet à côté. J'ai déjà coupé des avocats. Maintenant, je vais blanchir le chou-fleur. Voilà, comme ça. Si vous mangez 2 personnes, vous pouvez couper en 2 et laisser à côté la moitié. Voilà, je coupe en 4 en même temps. Et maintenant, je vais mettre des tranches. Des tranches. Comme ça. Les tranches, je vais couper encore en lamelles comme ça. Je vais mettre tout de suite dans l'eau bouillante. Voilà. Comme ça, juste suite bouillir pour pas trop cuire longtemps. Et voilà. Juste à bouillir pour pas trop cuire longtemps. Et voilà, j'ai déjà bien préparé les avocats coupés en lamelles, des œufs, voilà, décortiqués ou bien enlever la peau, les tomates cerises coupées en deux et oignons coupés en lamelles. Et n'oubliez pas, il y a des gingembre. Et voilà, j'ai mis un tout petit peu de l'huile dans la casserole. Et voilà. Et j'ajoute un morceau de beurre, comme ça. Juste pour faire poêler. Non, c'est pas poêler, c'est juste beurrer. Voilà. Beurrer, ça veut dire un tout petit peu de beurre. Voilà, ça fait du bien. Comme ça. Si vous mangez beaucoup, vous pouvez mettre beaucoup. Et voilà, j'ai mis comme ça. On mange pas trop de beurre, comme ça. Et après, je vais mettre gingembre, oignon. Et voilà, maintenant je vais passer tout à... C'est pas vraiment poêlé, mais c'est tout à mélanger avec du beurre. Et maintenant je vais ajouter la sauce de lemon avec. Avec hop, je vais mettre la sauce de lemon, environ une cuillère de sauce de lemon, écrasée avec hop, 4 œufs.
écraser ou bien couper en petits morceaux pour faire la sauce. Ou bien, hop, écraser, hop, bien. Avec la sauce, vraiment. Il faut laver les mains. Voilà. Comme ça. Attention. Je ne sais pas si tu peux mettre à côté là. Mais là, pas une vidéo. Là. Ça va? Et maintenant, je vais mettre tout de suite dans la poêle. La dernière minute, je vais mettre tout. Et voilà, ça sent très bon. Voilà, ça c'est la bonne sauce. La sauce de ma maman avec la... avec gingembre. N'oubliez pas, la dernière minute, je vais couper quelques fans. Voilà. Quelques fans coriandre. J'ai déjà lavé. Voilà, et maintenant je vais mettre tout de suite, ça c'est du gingembre là, je vais mettre tout de suite au milieu de l'assiette, un petit peu de beurre. Voilà, je vais sortir du four. Et voilà, vous voyez, c'est croustillant, croquant. Et la sauce des œufs due à la sauce de Neumann, c'est très parfumé. Encore de plus, c'est parfumé par les gingembre, coriandre et jaune oignon. Attention. Allez, et la dernière minute, je vais mettre l'amande autour, l'amande poulet autour. C'est salé, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre. Et c'est fait pour la sauce ou bien la salade de. Le chou, une façon de manger le chou, voilà, ça change. Merci encore une fois et au revoir, à très bientôt. N'oubliez pas de donner like, comment et share pour nous aider s'il vous plaît.